Bonjour à tous et bienvenue sur Rugby 25. Aujourd'hui, découverte d'un jeu de sport qui était attendu depuis très longtemps et apparemment c'est une catastrophe. On va le découvrir, c'est un jeu développé par Big Ant Studio, l'équipe qui a bossé sur les AO Tennis et Tennis World Tour. J'avoue, c'est pas hyper encourageant, c'est édité par Nakon. Et pour info, bien sûr, ça sortira quand le jeu sera terminé, après l'Early Access, également sur console. Moi, je trouve que c'est quand même mieux un jeu qui est final, qui arrive peut-être plein pot à 50 balles, mais au moins, eh ben t'as un vrai jeu. Là, apparemment, c'est compliqué. Alors, nous sommes dans le menu, ça y est, de Rugby 25, les amis, version Steam, PC, je le rappelle. Pour l'instant, pas sur console, mais quand la version finale sortira, ce sera dispo. Donc, le Play Now, donc ça, match... Il précise match homme, donc peut-être qu'il y aura des matchs avec les femmes dans la version finale. Va savoir. Nous avons un mode compétition. Les contrôles. Voilà, pour ceux qui veulent savoir les différentes touches. Mais le problème, c'est qu'on est loin de pouvoir vraiment toutes les utiliser. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y en a qui ne fonctionnent pas. Bref, vous verrez en match. Les settings, donc les paramètres. Je vous montre rapidement. On fait un tour du pâté de maison du menu. J'ai retiré la musique, bien sûr, pour éviter les problèmes. Et les graphismes, on est bien sûr dans la qualité maxi. On est parti. Allez. Match homme, bien sûr, donc là on peut se mettre à la maison ou à l'extérieur. L'équipe de France, nous avons l'équipe d'Uruguay, la Namibie, l'Afrique du Sud, l'Écosse, les Tonga, les Australiens, les Géorgiens, les Japonais, l'Argentine, les Samoa, les Chiliens, l'Espagne, qu'on va affronter bientôt au football. J'ai hâte. Nous avons également les States, la Chine, le Brésil, les Zimbabwe, la Croatie, le Paraguay, l'Ouganda, la Suède. Donc effectivement, il manque du monde. Il n'y a pas les All Blacks. Non, non. Mais ce sera présent, bien sûr, ce sera le cas dans la version finale du jeu. Ça, c'est certain. Nous avons le maillot, donc maison et extérieur. On va rester sur le maillot bleu. J'aime bien. Nous partons donc sur l'équipe de France. Évidemment, Cocorico, qui sera opposé à l'Australie. Pourquoi pas. Donc alors, les couleurs. Attendez, est-ce qu'on reste comme ça? Ouais, on reste comme ça on différencie bien les deux équipes. C'est parfait, ce sera bien sur le terrain. Alors, au niveau de la durée, 5 minutes, c'est parfait. La difficulté, on va se mettre en médium. Quoique, on se met en easiest, hein, parce que je suis une brêle. Stade de France, très bien. Le jour et la balle, qu'est-ce qu'on a? Standard et la balle bigante. Bah écoutez, on va rester en standard. Donc on peut aller jusqu'à combien? On peut aller jusqu'à 40 minutes, apparemment, ok. Nous, on se met en 5 minutes, ça ira très bien. Good morning and welcome to this highly anticipated clash. My name is Andrew Cotter. It's great to have you here with us at the Stade de France. We are here for this long-awaited confrontation where both teams will want to make a good impression early on and they know there'll be no room for mistakes in their bid to come out on top today. The match will be getting underway shortly. Et on se retrouve au Stade de France contre l'Australie, l'équipe de France qu'on reconnaît un peu, alors je dis pas que niveau modélisation c'est parfait, mais tout de même il y a eu un effort de fait. Après sur la pelouse, sur le terrain c'est encore autre chose. Allez, engagement pour l'Australie, avec sa coupe mulet. Alors pour info, j'y connais rien en rugby, je tiens à le dire, hein, avant qu'on me dise « Ouais, c'est pas comme ça qu'on dit », je sais. Allez, récupération des Français, Thomas Ramos, Marchand, allez. Donc là on rajoute des joueurs en appuyant sur B pour info. Là, on a voilà, les petites touches visuelles. Donc, si on maintient la gâchette, j'en vois très très loin. Normalement, oh, la feinte est claire. Incroyable. Alors, pour les feintes de corps, on peut. Hein. Encore une fois, j'ai pas le terme exact. Les raffus et tout, tu vois. Mais je sais qu'avec le stick, on peut comme ça filouter un petit peu. Allez, on rajoute des joueurs. Alors, ce que je ne sais pas faire, moi pour l'instant, et c'est assez handicapant, c'est quand l'adversaire a le ballon. Allez, il est passé! Incroyable! La feinte! Oh, magnifique! Et il continue! J'adore. Alors, on a eu effectivement dans l'histoire des jeux de rugby des bons jeux. Mais c'est vrai que globalement, on n'est pas bien servi. Hein. Vraiment, pour ceux qui sont fans de ce sport, désolé pour vous, mais terrible. Allez, faut qu'on avance. Il y a du jeu au pied, bien sûr, c'est possible. Après, c'est toujours quelque chose qui est compliqué à maîtriser. Allez, on y va. Ouais, c'était vraiment nul, ça. Hein. C'était vraiment nul, c'est trop court comme passe. En fait, globalement, le gameplay est imprécis, mais alors au possible, quoi. Tiens, on envoie sur X, carrément au loin, là-bas. Allez, on essaie de passer, la petite feinte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la feinte du futur! C'est incroyable, il est passé! Tout seul, maintenant, le Français jusqu'au bout! Et allez, le premier essai français, oui! Le plongeon, ça fait 5-0. Eh oui, mon gars.
Par contre, le truc, c'est pour la transformation maintenant, parce qu'il est quand même un peu excentré. Donc à voir si on peut le rentrer, c'est bien sûr Thomas Ramos hein, qui va l'attirer. Allez, c'est bien, tout seul, hein, tout seul le français, il peut plonger. Hein. Alors là, voilà, on peut choisir la longueur. Alors on va se mettre, allez, je dirais qu'on va se mettre là. Thomas Ramos, bien sûr, pour l'attirer. Alors j'aimerais bien faire un drop aussi, j'aimerais bien essayer de jouer au pied pendant le match. Mais à mon avis, c'est pas évident. Ok, graphiquement, vraiment, c'est pas le mauvais point. Hein. Alors c'est Y, hein. Le kick-off, c'est parti. Ah oui, d'accord, on voit la direction. Ok, admettons je fais comme ça. Est-ce qu'il y a la gestion du vent? Et ça rentre pour Thomas Ramos, bien sûr, la longueur est bonne. La trajectoire également, ça fait 7-0 pour la France. Et l'Australie va pouvoir engager. Eh ben ça commence bien, ça commence très très bien. Bon, on est dans la difficulté la plus basse. En effet, parce que je suis une brêle, comme je vous le disais, en rugby. Allez, c'est bien, récupération. Oh bah oui, oui, bien joué. Comment rendre le ballon à l'adversaire? Et c'est là que je suis perdu. Oh mais il y a téléportation en plus, hein. C'est énorme. C'est là que je ne comprends pas comment jouer, parce que je n'arrive pas à voler le ballon. Pourtant, on est dans la difficulté la plus basse, donc c'est pas logique. Même en appuyant sur X. Ah bah si, je l'ai récupéré. Mais pourquoi t'as mis un coup de pied? Mais quel trou de balle. Sans faire exprès en plus. Je veux tellement jouer vite. Donc si effectivement j'ai réussi, et j'ai encore réussi à la voler. Ah d'accord, en fait faut appuyer sur X. Je crois qu'il faut appuyer sur X pour la voler. Allez vas-y mon grand, il est parti, la feinte. Ça marche pas. Ça marche pas à tous les coups. Là on peut se relancer à l'offensive. Allez, ça envoie. C'est bien ça. Allez, on progresse, accélération maintenant, il peut y aller tout seul. Je voulais faire un raffut, parce qu'il y avait un jeu en fait, quand tu inclinais le stick droit vers l'avant, il mettait sa main comme ça sur l'épaule de l'autre, ça faisait une sorte de raffut. Enfin, c'est pas une sorte, ça faisait un raffut. Oh oui, vas-y mon grand. Oh, il est passé, il est tout seul comme un grand. Mais oui, bien sûr, nouvel essai français. Allez, en plein milieu, évidemment, on prend pas de risque. Et ça fait 12-0 pour les Bleus. On savoure, bien sûr. Ouais, non, c'est vraiment sommaire. Alors bien sûr, là j'arrive à récupérer un peu le ballon, à être facile dans les attaques parce qu'on est dans la difficulté la plus basique, la plus simple. Mais bon. Alors, on va rester, bon, on va rester ici. Voilà, c'est comme un penalty ça. Hein. C'est comme un péno, il y a très peu de risques pour Ramos. Allez. La balle est en place. Graphiquement, c'est pas mauvais. Je pense que c'est un peu le moteur de Ao Tennis. Hein. Donc on est sur quelque chose de correct. Vraiment. Hein. Bon, le stade est un peu vide. Ça, c'est vrai. Le stade est un peu vide, mais sinon, le reste, sur le terrain, ça se passe plutôt bien. Allez, bien sûr, c'est transformé. 14-0, c'est converti. On est à la 31e minute de jeu. Il y a combien? Il y a 40 minutes par mi-temps, il me semble, au rugby. Le mec qui regarde très peu de matchs. Ouais, moi, autant je suis foot, je suis tennis, je suis vélo, je suis plein de choses. Mais le rugby, c'est jamais quelque chose que j'ai beaucoup regardé, sans forcément avoir une aversion, j'aime bien, hein. Mais c'est juste que voilà, je peux pas non plus tout regarder. Allez. On se met derrière le Rock qui est formé. Ah, pour l'instant, on n'a pas de mêlée. Hein. Pour l'instant, pas de mêlée, pas de touche. C'est assez faible. Allez, ce serait bien de jouer un peu au pied. Alors, le jeu au pied. Ah, voilà, mais ça, c'est un jeu au pied court. Attention à prendre de risques. Ça, c'est pour se la faire à soi-même, pour casser les lignes. Allez. Hop, sur Y. Cadeau, mais ma question c'est comment dégager, peut-être Y, hein, pour dégager par exemple un ballon en touche, pour gagner de la distance, et jouer une touche, on va essayer. On va essayer de faire comme ça, oh c'est pas évident. En plus on est en plein milieu, allez les gars, tu dégages très très loin, solo Y, là ça me plaît bien. Et en parlant de Y, alors c'était peut-être pas ça, mais c'est pas si mal joué. Allez il récupère, oui il est passé, oh qu'est-ce qui se passe? Intéressant, je comprends pas tout ce qui se passe, mais ça se passe. Allez. Si je maintiens plus fort, est-ce qu'il fait la touche plus loin? C'est possible, hein. Allez, il n'y a pas de en avant, bien sûr, il est passé. Oh, c'est magnifique. Oh, la roulette, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, qu'est-ce qu'il nous fait, là, le français? Oh, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Allez, sur lui, oh, qu'est-ce que tu crois? Il y en a un autre, et quand c'est pas lui, c'est un autre. Voilà. C'est n'importe quoi, mais la roulette qu'on a vue. Mais quel beau jeu, quel mouvement exceptionnel
Est-ce qu'on peut le revoir au ralenti? Alors, le ralenti, le problème, c'est qu'il montre juste vraiment la fin de l'action quand il aplatit. Mais il n'a pas montré le mouvement technique qu'il a fait juste avant. Quel dommage! Donc, ouais, pour l'instant, j'ai du mal à jouer au pied. Il faut voir comment dégager vraiment le ballon en touche. Ce serait pas mal. Allez, bon, là, on est large, mais ça aurait mérité de monter la difficulté, en effet. Hein. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer, bien sûr, un aperçu du jeu. Ce que ça donne. Et Thomas Ramos, bien sûr, qui convertit, ça fait 21-0 pour les Bleus. Et c'est la fin de cette première... Enfin, de, oui, de cette première mi-temps. Le mec allait dire, ouais, c'est la fin du carton. Tout va bien. Allez, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les replays, les highlights. Super. Est-ce qu'on peut les passer? Non. Donc ça, c'était le premier. On a vu un bout de bras, là. On a le rappel toujours des contrôles. Et puis, c'est tout. Ok. Eh bien, c'est parti. Passons à la seconde mi-temps. Thomas Ramos. Qui va engager? Et on a, vous le voyez, 23 secondes hein, pour l'engagement. Si, admettons, je le mets là. Je le mets super court. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne que... De toute façon, il faut qu'il prenne le ballon. Mais, nous, ça nous met pas loin. Je me demande comment tout à l'heure j'ai fait pour piquer le ballon. Franchement, je me demande. Allez, ça dégage au pied. Moi, j'aimerais bien réussir à le faire. Si j'appuie sur A, c'est pas le bouton A. Attendez, je tente un truc. Oh là, oh là, oh là, vas-y, ça marche. La possession qui ne s'arrête pas. Et pour l'instant, je n'ai pas réussi à jouer au pied. Tiens, bah, c'est eux qui dégagent. Allez, je pense que ça va siffler. Fin du match. Victoire française, bien sûr. Et comment on tire au pied? Alors B, c'est pour se la faire, tu vois, un peu plus loin. Mais en fait, le match se termine jamais. C'est bizarre. C'est encore un autre bug? Il est passé. Non mais attendez, c'est un fantôme, il y a un bug. Inarrêtable! Inarrêtable! Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais c'est quoi ça? Bon, eh bien écoutez, essai pour l'Australie. Mais comment? Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est de la magie noire. Allez, 21-5, ça fera 21-7 parce qu'il est en plein milieu. Logiquement, il devrait la transformer. Mais regardez, les joueurs... Ok, même je me lance comme ça, je tente le plaquage, il passe à travers. Incroyable. Allez, monsieur Donaldson avec sa coupe mulet pour la transformation. C'est parti. Bon, là, logiquement, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de risques, hein, il devrait la mettre. Et graphiquement, alors je dis pas que c'est très beau, mais c'est pas mal. Hein. Vraiment, c'est la chose pour moi la moins pire. Pour moi, l'élément le plus réussi du jeu, et c'est fou de dire ça, mais c'est les graphismes. Le gameplay est immonde. Le gameplay est horrible. Je dirais pas que c'est injouable, hein, parce qu'en attaque, ça va. Mais alors, en défense, j'arrive pas à comprendre ce que je dois faire. C'est très très étrange. Le jeu au pied, pareil, il est pas instinctif. Merci public, merci beaucoup. Belle victoire de l'équipe de France. Bon, quoi qu'il arrive, on arrive à s'amuser. Ouais, je dis ça, mais sans conviction, les gars. Non, je m'amuse pas. Non, franchement, je m'amuse pas. Donc, on a les temps forts. Ok, très bien. Le replay. Et on va se faire un deuxième match vite fait, juste pour voir le jeu au pied, si possible. On va se prendre une autre équipe. Allez, je prends l'Afrique du Sud. Et on va jouer, mesdames, messieurs, contre l'Argentine, pourquoi pas. 5 minutes. Est-ce qu'on a plus court? Alors, c'est 40 minutes max. 5 minutes, sinon. Stade de France. Ouais, ouais, on va rester comme ça, parce que la difficulté, à mon avis, si je l'augmente... Je pourrais même plus récupérer le ballon, ça va pas être terrible. Je pense que les joueurs les plus connus de chaque équipe peut-être sont modélisés, mais alors... D'ailleurs, attendez, pour les Bleus, j'ai pas vu Antoine Dupont. Il y est dans le jeu? Étonnant qu'on l'ait pas marqué. Allez, l'Argentine qui récupère, qui est à la retombée. Allez, récupère-moi ce ballon, est-ce qu'on va y arriver avec l'Afrique du Sud? Là, on repart sur une partie défensive que je ne maîtrise pas, je ne comprends pas, pourtant j'ai regardé les touches, hein. Tacleur conteste. Parce que là, tu vois, il y a deux touches en bas à gauche qui sont affichées. Il y a B, Bind to Ruck, et Tacleur conteste avec Y. Donc normalement, t'es censé... Oula! C'est quoi ça, les gars? T'es censé, normalement... Ah, une mêlée, quand même. Alors, comment ça marche? Les gars, s'il vous plaît, comment ça marche? J'en ai aucune idée. Alors, on a Drive. Ok, alors moi, je pense qu'il faut peut-être appuyer... Ah oui, c'est ça. Enfin, je pense. C'était pas ça? Ça marche pas. J'ai pas compris le système. Je n'ai pas compris le système de mêlée. J'ai une question, Bigant. Est-ce que votre jeu est jouable? Non, parce que là, je commence à avoir un doute. C'est terrifiant. Je commence à comprendre tous les avis vraiment très négatifs. Allez.
Le rock, donc là on rajoute des joueurs qui mettent 10 ans à arriver bien sûr. Allez, alors la passe va être trop courte, j'arrive pas à faire des passes plus longues. C'est quand même terrible. Regarde. C'est pas agréable, hein. Vraiment là le gameplay il est imprécis, alors au possible. Allez, je l'envoie sur Alas, c'est plus long, c'est bien. Quand tu peux comme ça charger ta passe, c'est bien. Il est passé en plein milieu, allez mon grand, la petite feinte, il est passé. Dommage, il se fait arrêter juste avant. Juste avant d'aller tout seul vers la ligne. Allez, encore un effort. Ça fonctionne. Bon, forcément, on finit par se bloquer un petit peu. Il y a box kick aussi. Ah ouais, peut-être qu'on peut tirer là. Tu vois, il est en arrière. Il peut tirer éventuellement vers une touche. Ce serait l'idée. Ouais, j'ai pas eu le temps de l'envoyer à quelqu'un d'autre. Toujours pas compris, hein. Vraiment, pour l'envoyer en touche, c'est compliqué. Allez, tout seul maintenant, mon petit. Et là, on tente le drop. D'accord. Ça, c'est du drop. Hein. Mais c'est quoi cette caméra? Pourquoi ça passe comme ça? C'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu? C'est incompréhensible. C'est illisible. Allez, on part sur B. Là, ok. Quand on arrive à maintenir comme ça et avoir les touches, c'est un peu plus facile pour repartir après du bon pied. Mais c'est pas toujours le cas. Là, par exemple, tu vois, j'appuie sur les deux boutons. Ça ne fonctionne pas. Allez, tout seul comme un grand. Allez, vas-y, personne ne me rattrapera, il est incroyable. Oh, comme il court. Incroyable. Voilà, bon, je reviens au milieu parce que c'est plus simple après. Le mec qui fait un arc de cercle. Allez, c'est bien, l'Afrique du Sud qui mène au score devant l'Argentine. Toujours un plaisir de baiser l'Argentine, bien sûr. Alors, 15, qui va pouvoir transformer. On va se mettre là. Et parfois, on s'est fait avoir, hein, par l'Argentine, bien sûr, donc ça fait toujours plaisir de les battre. Hein. Allez, transformation avec le ballon Gilbert. J'espère que je vois mieux que lui. Allez. Et le kick-off. C'est transformé facilement, bien sûr, avec un parfait placement. 20 minutes de jeu bientôt. Et l'Argentine qui peut envoyer. Bon, j'aimerais bien marquer un drop, mais là, vous avez vu que mon tir, il était vraiment très très petit. J'ai pas compris, peut-être qu'il faut maintenir pendant... encore plus longtemps que ça, même si j'avais maintenu la touche, hein, mais j'ai trouvé ça un petit peu étonnant. Allez, on envoie là-bas, admettons. Eh ben non, eh ben non. Oh, c'est bien joué ça. Oh, je l'ai envoyé en dessous sans le vouloir. Hein. Vous savez que moi, quand je joue bien, c'est quand c'est involontaire. Dans tous les jeux de rugby auxquels j'ai joué, on pouvait toujours gratter le ballon. Là, je ne peux rien faire. C'est très étrange. Vraiment très très étrange. Allez, on arrive à l'attraper. Allez, piquez-moi le ballon. Bon sang de bonsoir. L'Argentine qui a la possession. Et je ne comprends toujours pas comment grappiller le ballon. Hein. Dans tous les jeux de rugby auxquels j'ai joué, à chaque fois je savais comment la voler. Là, aucune idée. Tout à l'heure, j'ai appuyé sur X, ça a marché, mais je pense que c'était un coup de peau. Sincèrement. Et ça dégage au pied, ça y est, enfin. Allez, est-ce qu'il va atteindre la touche? J'ai l'impression que oui. Eh non, on va la récupérer avant. Non, t'es allé en touche. Mais qu'il est con, il est allé en touche. Oh là là. Bon, là, mêlée, j'ai pas compris comment ça marchait. Hein. J'ai pas compris, je vois LTRT, donc les deux gâchettes. Mais je pense pas que ça va avoir quelque chose. Attends, ça marche. Faut appuyer plusieurs fois, non? Je comprends rien au système. C'est... alors là, c'est incompréhensible de ouf. Et attention, on les fait peut-être de l'Argentine. Non, c'est bloqué. Là, ils sont vraiment pas loin, là, faut que je comprenne comment piquer ce ballon, je suis abasourdi par... Ah oui, la récupération! Il est parti tout seul maintenant jusqu'au bout! Allez! Allez, allez, encore un effort, gauche-droite! Oh là là! Là, ça a complètement changé! Exceptionnel! Allez! C'est pas mal! Par contre, ça va être la fin de cette première mi-temps, ça c'est un peu con! Allez, vas-y, envoie. Et là, est-ce que je peux dégager? C'est pas ce que je voulais faire du tout. Mais la caméra aussi qui se place mal après, c'est horrible. D'accord. D'accord, mais ils deviennent fous en fait. Allez, fin de cette première mi-temps. Non, mais je pense qu'ils en avaient marre là. Ils voulaient rentrer, ils voulaient leur petit jus d'orange, leur petite pause. Allez, bah, écoutez, pour l'instant, on mène au score. On a empêché l'Australie. On a empêché l'Australie de s'exprimer, de marquer. Et engagement de 15. Attends, comment ça, il y a un 15 dans chaque équipe? C'est bizarre. Ah, ou alors il parle du numéro?
Il y a des choses pas nettes, mesdames, messieurs, dans ce jeu. Il y a des choses vraiment pas nettes. Allez, on y va maintenant. Il est passé entre les deux. Il est passé. Oh là, le zigzag. Le zigzag exceptionnel du joueur sud-africain. Allez. Voilà, tant qu'on arrive à avoir comme ça un petit... Une petite touche, c'est superbe. Allez, maintenant, il y va. Il est costaud, il est chauve, c'est le meilleur. Les chauves, c'est les meilleurs. Allez, vas-y, continue. Allez, encore un zigzag. Ah oui, c'est bien joué, tout seul comme un grand. Et voilà, ça c'est la vie, ça c'est l'Afrique du Sud. Et il est pas chauve du tout. On aura dit donc. Allez, 44e minute. Nouvel essai pour l'Afrique du Sud. Avec des feintes de corps magnifiques. Et on aura dans quelques instants, bien sûr, la transformation en plein milieu. Allez, est-ce que pour plus de défis, on se pointerait pas carrément en plein milieu du terrain? Allez, soyons fous. Est-ce qu'à votre avis on peut y arriver? Faut une grosse puissance de frappe. Ouais, vérifie, hein. Vérifie. J'espère que t'as des mollets en béton, mon pote. Alors certes, l'angle n'est pas difficile. Ah, je tremble. Donc là déjà ça a changé, je tremble. Allez, vas-y. Donc là ça va dépendre de l'inclinaison beaucoup. On fait comme ça, les gars. Attends, un peu plus à droite. Il me reste 2 secondes, allez. J'ai déclenché. Est-ce que ça va le faire? Avec l'effet à gauche. Mais quelle transformation exceptionnelle du milieu de terrain. Ben oui, bien sûr. C'est parfaitement tiré. Allez, 14-0. 14-0 pour l'Afrique du Sud. Et l'Argentine. Putain, mais quand j'essaie de prendre l'accent du Sud, c'est compliqué. Hein. Allez, c'est pour mettre l'ambiance un petit peu. L'accent du Sud qui est si charmant. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un accent? J'en ai aucun. Je n'ai rien d'original. Je suis triste. Allez. C'est bien. On va réussir à passer peut-être l'accélération. Allez, il est tout seul maintenant. Mais il résiste. Bon, il finit quand même par se faire arrêter, faut pas déconner. Bon, le jeu au pied, c'est pas tout ça, mais on l'a pas beaucoup vu, les gars. Comment on fait pour dégager, bordel? Ah, c'est X. Ah d'accord, c'est X, ok, bon. Je voulais juste réussir à faire un coup de pied d'ici la fin. C'est juste ça que je voulais faire. Allez, l'Argentine, qui peut dégager à son tour. J'aimerais avoir une touche parce que pour l'instant, on l'a pas vu. C'est un peu chiant. Mais là, ok, donc c'est le bouton X. Voilà, essaye d'envoyer en touche. Ah, je voulais que ça touche avant. C'est vraiment imprécis par contre. Allez, la touche pour l'Argentine. Au moins, c'est bien, on en verra une. Donc, lift, middle. D'accord, donc soit on lève. Ligne du milieu. C'est récupéré par l'Argentine, ils l'ont bien joué. Soit ligne du fond, etc. Faut plaquer. Allez, volez-moi ce ballon, les gars. Je ne sais pas comment, mais volez-le. Admettons, là, je fais box kick. Ah, voilà, tu peux dégager le ballon. Il la prend et il la dégage par-dessus, ok. Et là, si un joueur arrive à la choper, c'est incroyable. Allez, cours plus vite, Forrest. Oh, c'est pas vrai. Arrêtez-le. Et là, dans cette position, en mode je dois la voler, bah, je ne sais pas comment faire. Là, vraiment, pour moi, c'est un mystère. Pas de dégagement au pied du côté de l'Argentine. Bon, je suis content. J'ai su au moins comment dégager le ballon. Voilà. En parlant de dégager. Alors, automatiquement, là, faut pas toucher le joueur. Ah bah si. Je pensais qu'il allait récupérer automatiquement, ce salaud. Que dalle. Allez, on y va, c'est parti. Bourrine. Défonce-moi ces lignes. Là, il dégage directement en touche. Et ce sera la fin du match. Ok, victoire de l'Afrique du Sud. Bien évidemment, face à l'Argentine. Toujours content de gagner contre eux, bien sûr. Bon, pour autant, on les a pas humiliés parce que là, c'est vrai que défensivement, je n'ai jamais réussi à récupérer le ballon. Alors, les replays, montre-moi comment ça marche. Alors. D'accord, il y a la vitesse qui change, admettons. Ah oui, d'accord. Carrément mode ralenti, mode normal. Ah, voilà. Parfait. Lock-on. Qu'est-ce que c'est que lock-on? Loco. Move. On peut retirer le HUD si on veut. Ouais, graphiquement, vous le voyez, c'est vraiment pas le pire. On peut zoomer vraiment sur les joueurs en plus. Attends, je retire le HUD. Voilà, on peut zoomer carrément sur les joueurs. Et regarde. Alors, c'est pas beau. Hein. Les deux, là, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Donc, niveau modélisation, on repassera. Hein. C'est vraiment assez générique quand même. Lui aussi, c'est le même. Hein. C'est juste qu'il a la barbe noire au lieu d'avoir une barbe marron. Donc globalement, les modélisations, ouais, il y en a très très peu. Je plains les fans de rugby, parce que vraiment, ils n'ont pas un jeu qui est potable.
C'est même le contraire. Il est mauvais. En tout cas, pour l'instant, il est mauvais. Après avoir par la suite, alors il y a eu quelques bons jeux de rugby, hein, comme John Alomou, on a eu le Rugby 08, on a eu quelques jeux qui sortaient un peu du lot, mais c'est vrai que ça fait des années que c'est compliqué. Allez, merci encore à tous. Je vous invite à me donner vos sentiments, votre avis sur ce premier aperçu en commentaire. Je rappelle que c'est pas un test, hein. Voilà, c'est juste une petite découverte, voir ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir, ça motive, ça aide beaucoup la chaîne comme d'hab. Et je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles découvertes et aventures sur la chaîne. À très bientôt, ciao ciao !